avons jugé important de pouvoir proposer un nouveau type de formation aux étudiants qui veulent rejoindre l'école. Donc, en plus des cursus plus technologiques que nous offrons, nous avons décidé d'ouvrir notre formation à des étudiants qui n'ont pas toujours fait de l'informatique dans leur vie, qui ont compris que l'informatique et le numérique étaient importants pour leur avenir professionnel, mais qui ont peut-être commencé par, je ne sais pas moi, une formation dans le secteur de la finance, des stats, des sciences éco, enfin, tout un tas de domaines sur lesquels le numérique ne semble pas a priori le cœur de métier, mais en fait, le numérique maintenant imprègne tous les secteurs d'activité et va impacter leur métier à court et à moyen terme. Dans cette formation, nous allons proposer à ces étudiants, bien sûr, d'acquérir les bases, les fondations, en fait, les compétences de base en développement d'applications, mais aussi, bien sûr, sur tout ce qui est l'architecture des bases de données et derrière ça, l'organisation, l'architecture d'une approche big data au bénéfice de l'entreprise qui va les accueillir. L'idée, c'est qu'ils soient capable de mettre en valeur les informations d'une entreprise, quelle que soit leur provenance, donc mettre en place vraiment toute l'architecture Big Data, donc sourcer les informations, les trier, les filtrer, les analyser, les présenter. Donc ce sont tous ces aspects-là qu'ils vont apprendre à faire dans l'école. Le cursus s'appelle MBA Data Solutions Architect and New Ways of Working, dans lesquels on va retrouver des éléments importants comme le design thinking, par exemple, qui sont des nouvelles approches en gestion de projet et en travail collaboratif, tout simplement.